Hi! Bon, ok, fait que voilà deux semaines, je suis allée à Ibiza! Je vais être bien, bien honnête avec vous. On n'a pas fait grand chose à part faire le party. Ce petit vlog voyage, vous aurez bien fait une fun intro comme j'ai l'habitude de faire, mais je vais être 100% honnête avec vous, avec le vlogtober, en postant une vidéo par jour. Mais je commence à run out of time pour passer autant de temps sur mes montages puis vous faire des fun intro pis tout. Fait que j'ai dû couper à quelque part, ça va être sur cette intro cette fois-ci. Le reste de la vidéo est quand même lit. Fait que écoute-la jusqu'à la fin, s'il te plaît, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à travailler là-dessus. Puis là, je vais arrêter de blablater parce que j'ai encore du montage à faire. Puis j'essaie de vous poster cette vidéo-là pour ce soir, pour maintenant. Fait que je vous laisse sur ce vlog de Ibiza! Bon, on est là, on s'en va en activité surprise, puis maman, si t'as vu, nous confisquer nos seins. Allez, allez, petit sœur! On s'en va dans un petit bar qui est réservé juste pour nous. Donc, notre petit bar. Ah, mais là, j'allais changer. Ça y est! Non, mais. On va fabriquer notre alcool, puis après, on va la boire. On est bien. Ah! On s'en va fabriquer de l'alcool! T'as commencé! Malade! Ah, moi je trouve ça bon. Toi, t'aimes ça? Ok, cool. Alright, voici le truc qui est à partir de quoi le gin est fait. Pas très bon, ça va là, hein? Ça va être super exceptionnel. Mmh. Faites comme moi! Ah! Oh mon dieu! Mon dieu, c'est tellement petit, je suis tellement trop long! Ben, tu sais, moi j'ai coupé un petit gros morceau! Ah, moi aussi, je peux j'ai tout bien, guys! Tu veux que je t'en fasse ça, je vais aller faire chez nous! C'est vraiment easy pour vrai, tu fais juste genre clic, puis là tu débosses, tu regrettes! En plein photoshoot Instagram. On a Danovic, l'assistant, qui soutient les branches pour que Emile n'ait pas d'ombre dans sa face. Getting the perfect shot. T'es-tu pogné? Ah, he made it! Ok, mais pourquoi t'as passé de même? Parmi les possibilités de malheur que tu pourrais passer, il a décidé de passer en dessous. Ça nous fait toucher. Mon drink. Each day, every day. Not a sponsor, not a fan. Ok, vous voulez-tu montrer vos outfits au moins pour montrer comment vous êtes chicks? Ouh. Vous êtes toutes belles, oh, toutes belles. Oh yes, queen. Les gars sont incroyables à temps, fait qu'il faut qu'on y aille. Fait que pas plus de choix du vlog. Comme
day. On s'en va sur un boat, faire la fiesta. Aujourd'hui, on est plein d'énergie and ready to get lit. Let's do this. Are you ready for party? Yes, I am. Vous êtes dans même pas enthousiaste. Moi, je suis prêt. Yeah. Ma bédaine est due au nombre innombrable de bières que j'ai consommées dans la dernière année. Bière Subway Poutine. Moi, c'est un petit food baby qui se travaille. Oh my god, vous ne savez pas, il y a quelqu'un, ok, j'ai mis un boomerang, là, tu sais, la première soirée avec ma jupe, que je disais, oh my god, on voit ma bête. Il y a une fille qui envoie un DM avec des emojis de mère qui tient un bébé. Point d'interrogation, pas d'interrogation. Je suis comme, je regarde un boomerang à nouveau, personne n'a l'air d'avoir une bête sauf moi. Fait que je pense qu'elle se pensait que je suis enceinte. Je me suis fait demander si je suis enceinte à cause de mon food baby. C'était comment le boat party? Je suis rentrée fatiguée et à jeun. J'en ressors plein d'énergie et sous. C'était comment le boat party? C'était un party sur un boat. Malade. Et comment vous avez trouvé le boat party? Rough. How fucking some. L'affaire avec Elisa is that genre si tu day drink comme on vient de faire, you still have a long fucking way to go. You're fucked up. Au Québec, c'est sort tôt. Ici, le monde, il sort à 1h, 2h, 3h du matin. Fucking tué. Il est présentement 2h du matin, puis on sort la petite colisse de tabarnak. Les girls, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il est 2h du matin, puis on sort live? Daytime is when we thrive. Oh, ouais. Je sais pas où j'ai l'énergie. Genre, on s'est couché, on a fait une burn-out. On a essayé. Moi, je suis touchée. Moi, je dors de 5h à minuit. À minuit, je me lève. Like, it's just backwards here. Ça, c'est comment ça marche? Genre, à quel point c'est bizarre que ici, le nightlife, ok, les bons DJ commencent à 3-4 heures du matin, puis ça continue jusqu'à 8 heures. Genre, le monde vive la nuit. Puis là, juste là, ma voix en fucking témoigne. Ça va pas être mon affaire. Ibiza is going to fucking kill me. Ah, what? T'es-tu ready pour l'échapper encore? Il est quelle heure, attends? 2h22. Là, c'est le dilemme. Est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on fait les... Mais on sort, fait que... Moi, j'ai vraiment envie de pâtes. Ouais, moi avec, j'ai vraiment envie de pâtes. And pizza! Let's go get pizza! Yes! Basta! Santé ce matin, guys. Moi, je me sens chill. Fracture du crâne. Toi, bien? Happy! Toi, ça va quand même chill, t'es pas hangover. Ouais, je me sens pas pire.
de homard, c'est pas d'allure. I don't believe in anybody feels the way I do about you now, baby. I'll always remember you like a child, girl. Coming home to you. Fuck, reviews de notre voyage à Ibiza. C'était décalissant. Décalissant. C'était mortel. Aujourd'hui, c'était chill, là. Aujourd'hui, on a une journée de récupération. Honnêtement, j'ai dormi combien de temps? We're literally complete, we're complete. Je pense, honnêtement, je peux dire 10 heures gros max en 5 jours. We're complete psychopaths. 10 heures sur 5 jours. 5 fois 24. C'est la première fois qu'on hier, j'ai dormi 2 heures. Avant hier, j'ai dormi 3 heures. C'est la première fois qu'on a connecté pour vrai avec des humains aujourd'hui. Parce qu'avant ça, on a juste fait le party. C'est ça m'a tellement hit de vivre des vraies connexions parce qu'on dirait que depuis des jours, on n'en pouvait pas. Non, mais 4 jours qu'on vivait pas la réalité, genre, c'était c'est comme ça. Une autre affaire qu'on était. Là. La nuit, tu sens plus rien, t'es genre fucked up, t'es fatigué. T'es... En même temps, c'était cool de vivre ça. Genre, je commençais à avoir de l'énergie à comme minuit le soir, tu sais. Ah, oh, j'allais dire, s'il y a le fucking heart qui me slap, genre vraiment, c'est slap him back. Demande-moi ton petit dos de mort. Tom, t'es complètement brûlé. Qui va t'écraser, mon petit. C'est si pire. Clairement, il y a les traces de le passage cette semaine. On est vraiment crottés en tabarnak. En tout cas, la chambre d'hôtel était belle à la base. Thank you for the memories. Peace. On dit bye. À la full belle piscine. Bye. Thanks, McJoy. Let's get moving. Ok, c'est tout pour ce vlog, les cocos. J'espère que vous avez enjoy. Moi, j'ai honnêtement eu ma dose de party pour la prochaine année au complet. Honnêtement, c'était assez intense comme voyage. On en a profité au max. On a vécu l'expérience de Ibiza. Je sais pas c'est quand la prochaine fois je vais retourner là-bas ou dans une place comme ça. Là, c'est vraiment pas de sitôt parce que j'ai vraiment eu ma dose. Mais c'était le fun. Puis j'en ai profité avec mes amis. Ok, là-dessus, on se voit demain à la même heure pour le prochain épisode du Vlogcover. Et puis, n'oubliez pas de participer au giveaway de la semaine. Comme à chaque semaine, il y a un giveaway. Cette semaine, les prix ont gagné. Je vous les montre juste ici. Participer, la même chose que d'habitude, assure-toi d'être abonné à ma chaîne YouTube plus mon compte Instagram. Laisse un commentaire, le petit emoji juste ici. Et puis, last but not least, mon story Instagram de toi qui écoute le vlog de la journée avec le hashtag juste ici. Et là, tu sais, je fais qu'on se voit demain. Bye. Je vous aime. Boys, I can't die. Oh my god.